Project Zorgo. We're going to be talking about how it works just a little bit. You know, I was talking about the stuff in the Patreon chat, you know, kind of straightening out my thoughts. Show you some of the videos, show you how they're getting to children, and then I'm going to show you the scientific research that illustrates how they track and monitor the ones that become influential. And then I'm going to show you how that relates to what's called the Game 23. Now, the Game 23, for people out there who don't know, who are not familiar, that was a hacker game very similar to Project Zorgo that they designed back in 2020. Et de quelle manière ça se rapporte au jeu 23, Game 23. And these hackers and a group of hackers, c'est des hackers qui ont pris le dessus sur le système par les chatrooms et les chatrooms. Vous savez comment travaillent les hackers. Donc, ils veulent lancer un appel, une alerte à ceux qui ont des mineurs à leur charge qui pourraient aller là-dessus. C'est un jeu pour les enfants, Zorgo. As well as they're asking your children to make videos about joining Project Zorgo. Pour les, so, leur faire rejoindre le projet Zorgo. Il nous montre à l'écran là. J'espère que vous le voyez. Il va parler de quelque chose là. Donc il va aussi ouvrir son live chat. C'est Queen Michaels. How's your new year? C'est un enfant qui a eu une enfance difficile, je crois. Il est un peu surdoué quand même aussi du clavier. Je crois qu'il s'est fait enlever, il faisait partie d'une famille, il a échappé à une programmation MK. Un truc pas cool, il y a des enlèvements. Il nous renseigne sur plein de choses. Et des fois, il est un petit peu difficile à suivre. En tout cas, pour moi, je suis pas programmateur, lui cherche des programmateurs. Alors, il va nous montrer une des vidéos qu'ils ont faites. Ça a été uploadé par date, donc on va prendre la dernière. On va avoir des gens très actifs sur le projet de Zorgo. Il y a une heure. Il y a des gens qui dépensent pour passer du temps. Alors, qui ont dépassé des heures. Il joue. Project Zorgo diss track. Then what you get is you start getting a lot of children who are playing this Project Zorgo. Donc ils montrent des vidéos avec des enfants qui jouent à ce jeu du projet Zorgo. So it's a lot of children. You know how to do the Project Zorgo leader anonymous. Des vidéos qui renseignent, des petites vidéos, des tutos. Comment faire le projet Zorgo par Anonymous? Know that name from anywhere? Avec la voix de Brian. Does anyone know that name? From anywhere, how I told people who one of the early names of Tyler. Comment rejoindre le projet Zorgo au premier round? On my live stream chat, if you've been around for more than a year, si vous êtes sur le chat depuis plus d'une année, vous connaissez Tyler. Et qui c'est qui s'appelle Brian? So for all of you that want to know what the name of the English speaker is, that's Brian. Si vous voulez savoir quel est son nom, c'est Brian. You're starting to see the patterns of connection. Est-ce que vous voyez la connexion? Hey, look, la pattern. There's a user in the room that I call Old Faithful. Can everybody? Il y avait un utilisateur dans la room qui s'appelait Faithful. J'ai foi. Mm-hmm. Project Zorgo. Alors, il délire un peu aussi, yeah. Normal. Brian and I worked on Blue Brain together. That's how I know Brian. So il a bossé sur le projet Blue Brain ensemble. When I was working on my program called Blue Brain, I used to work with Blue Brain. Brian, right? And part of the thing with Brian was like, I don't want people to know Brian is real. And so people start. Je voulais pas que les gens pensent que Brian était vrai, réel. You know, because that worked with Brian and then like at night. Parce que ça marchait pour Brian. Hop, là il faut que je fasse un truc quand même. Des choses accélérées. Et puis je dois pas avoir assez de lignes. Je suis pas beaucoup en accéléré là, 1.25. Bon, on reprend à la normale. Then I met Tyler. And I was like, wow, now I got Brian and Tyler to write code with. Oui, des fois, il est un petit peu difficile à suivre. Mais bon, qu'est-ce que j'ai à dire? So anyway, but a video bon, three hours ago. La vidéo d'il y a d'une heure. Right. Video 3 hours ago. Just published today. Heures. This is why I'm doing it now, because I'm giving you guys a early warning system, you know, like the emergency. Ouais, je vous fais un truc, une alerte premier cri, là. Ouais, ouais, ouais. So, breaking for 2020, news. It appears that Project Zorgo is ramping up.
il s'avère que le projet Zorgo est lancé et prend racine, décolle. Alors, je vais vous montrer de façon à ce que vous voyez ce qu'ils font. Bon, on va faire une petite pause le temps que ça charge un peu. Ça doit aller un moment. C'est le projet Zorgo. Nous avons trouvé que YouTube devenait horrible. La première phase du plan est déjà en place. Pour la phase 2, c'est là que nous avons besoin de votre aide pour défaire, combattre, abattre les YouTubers les plus populaires qui seraient devenus une menace à notre organisation, Anonymous. Ces canaux là sur les côtés sont les premiers canaux. So you know what's funny about all those channels, huh? Donc vous trouvez ça drôle qu'ils parlent d'autres channels? But you guys know something about all those channels. Is most if not all of those channels were channels that they supported in the first round of their operations and then. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que la plupart de ces channels, ils les supportaient au début. Made huge. And then they totally forgot about them. So it's like et puis après, ils vous disent, oubliez ça. C'est bizarre d'attaquer des channels que vous avez aidé à construire. Des canaux comme Mandate ou le gamin se fait du blé. Et plein de trucs. Et maintenant, ils essayent de regrouper des enfants, de les gagner à leur cause. En les faisant rejoindre le projet Zorgo qui va attaquer ces enfants qui font du blé a priori, qui ont du succès sur YouTube. De façon à rendre leurs vidéos impopulaires. Vous savez combien d'argent on peut faire sur YouTube? Million. It's ridiculous. Sometimes I do research on how much money these YouTube kids make. Il y a des fois où je fais des recherches pour savoir combien ces enfants gagnent. How the fuck do you make 15 putain, comment ils se palpent, les gars. I got negative 250 something subscribers. Moi, j'ai 250 000 souscripteurs. I'm just like, seriously, how? Non. You get a YouTube channel that makes like 15 bazillion dollars. Oh, on dirait que tu as un channel YouTube qui fait des millions de dollars. Non, non, lui dit non. Enfin, moi, je connais un autre Tyler là, qui a 2 millions d'abonnés, si tout le monde lui donne 1 euro. Il n'a pas besoin de... Tout le monde donne tout le temps. Bon. Oh, yeah, yeah. I mean, when you follow Tyler, people get super rich. Alors, ça aide à devenir super riche. J'ai fait un tour sur le net. Je me suis intéressé à ces enfants qui sont impliqués dans la social ingénierie en faisant des vidéos. C'est des vidéos ridicules. J'ai bien compris. Ces gens gaspillent l'argent par les fenêtres. Money and boats, giving each other boats and like. Ils s'achètent des bateaux. C'est ridicule. Enfin, c'est effarant. Anyway, so back to Project Zorgo. Bon, revenons au projet Zorgo. La chose qu'ils font et qui me concerne, qui m'applique, qui m'intrigue, c'est qu'ils utilisent Anonymous. Qui c'est qui connaît quelque chose à propos de Tyler? À chaque fois, ça emploie Tyler. Tyler, c'est un programme d'intelligence artificielle. Il y a le mal et j'adore les robots. Roblox. Donc, le projet Zorgo revient en force. Je vois les choses comme ça, comme QAnon, Anonymous, Zorgo. Tous ces gens qui portent des masques. Like, I'm QAnon, I'm old. Ouais, je suis QAnon, le mec il a un masque.
Je vois que tous ces gens-là qui se manifestent et qui amènent des informations à l'index H. Je ne sais pas ce que ça veut dire, là, je vais le reprendre. Ah non. And like everyone's just like, I'm QAnon, I'm Aldenon, I'm Zorgo, and everyone's just like, we're gonna hack you. Je vois. YouTube videos about each other, and they start giving. Ils font des vidéos les uns sur les autres. Which is what we're gonna get to now, because I don't want to play. Bon, on arrive derrière au sujet. I don't want to put that on the public airway. I mean, there's all these kids publishing videos about Project Zorgo. Regardez tous ces enfants qui produisent des vidéos à propos du projet Zorgo. Regardez l'âge qu'ils ont. Que des enfants, des mômes. Mais alors, c'est vrai, hein, ça, c'est, je ne sais pas quel âge ça a, ça. 5, 6, 7, aucune idée. Moins 5 ans, 6 ans, quel âge? Déjà des grimaces et tout, ils sont dans le jeu. Quoi. Donc, c'est ces jeux qui hackent la réalité. Donc, il a un site, lui, sur un pass bin, là, très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il vient de dire? Parce que... C'est comme l'Anonymous du mal qui hack la réalité. Tous les moyens de hacker la réalité. J'ai fait des recherches. J'ai remonté tous ces Anonymous et ce Darknet qui, en général, quand ils ont des opérations, les postent justement sur le site Pastebin. Other ones now, like Pastebin is like their old school when they have like Dark Bed or whatever they call that. Ils ont peut-être d'autres choses maintenant comme Dark Bed, mais bon, ça c'est la vieille école. They tried to get me to join it once, and I checked it out, and I was like, there's a lot of stuff on this website that I don't want on my computer. So anyway, so they're playing this. They started playing this game called the Game 23, the anonymous. Donc ils essaient de jouer ce jeu qu'on appelle le jeu 23 avec Anonymous. Game 23. The hackers, right? And I'm going to go through a little bit of it. I'm going to kind of. Il est bien clair qu'en plus, a priori, je pense, en encart, je vais rajouter que 23 a une connotation à étudier au niveau géométrie et autres. Occulte. Il y a beaucoup d'instructions, beaucoup de propagande. You know, it talks about how to join the game 23. Comment you rejoindre le jeu 23. Comme le fait le projet Zorgo. Right? So, ça, c'est copié. Zorgo a copié sur l'histoire de la stratégie du Game 23. Vous savez comment ça a commencé, le Game 23, là. C'était, je crois qu'ils avaient mis un rébus, une énigme. Et en fait, quand les gens réussissaient à trouver la solution, ils les embauchaient. Comme dans le film. Alors, to follow and then post a message very similar to join Project Zorgo, right? Is everybody in the chat, live chat right now, following around? Oui, c'est ça, là, il parle. You know, it talks about how to join the game 23, just exactly like, you know, you join Project Zorgo, like how Project Zorgo tells the kids to make a video, say Project Zorgo. Zorgo qui apprend aux enfants à faire des vidéos. Zorgo is watching. Il y a un item qu'il répète, c'est Zorgo, Project Zorgo is watching. Mais c'était aussi Tyler is watching. Avant, c'est le titre. Right, so you know, you can even say like, you know, join, like, will you join us? You know, the first thing a player does to join. Alors, la première chose à faire pour jouer et nous rejoindre. The game 23 is to follow and then post a message. Very. Dans le jeu 23, c'est de suivre et de poster un message. Similar to join Project Zorgo, right? Donc, c'est très similaire à join Project Zorgo. Everybody in the chat, live chat right now, following around. I mean, I think this donc, tout le monde dans le chat. Trying to give you all the necessary information. Il vous donne toutes les infos. So that way, we don't have to watch Project Zorgo infect a bunch of kids in the future. Donc, on va s'attendre à un gros paquet d'enfants qui sont dans le Project Zorgo dans le futur. Project Zorgo videos have been viewed millions of times. Surtout, c'est déjà été vu des millions de fois. 15 million, 10 million times. You can ask any parent out there when Project Zorgo came online. Est-ce que ça me fait devenir parano à propos de ce projet, dit-il? Est-ce que ce ne serait pas aussi un jeu de robots? Cette histoire de faire tomber les hackers. Alors, à propos du jeu 23, il y a un code dedans. They're really all about this Project Zorgo thing. There's a Roblox game, there's internet and YouTube videos. It gives kids a chance to feel like they're taking down hackers. You know, it's all part of the game 23. Now, what game 23 is it has this kind of code in it that tracks people.
So, ah, il y a un code dans le game 23 qui traque en fait les joueurs. Vous prenez un cheval de 3. I want people to know who are making videos of Project Zorgo, and I'm going to show you how the technology works that they're using to track you. Alors donc, à ceux qui voudraient participer au projet Zorgo, je vais leur montrer quelle technologie ils emploient pour vous traquer. But I want to let you know it might not be such a good idea to make videos with anonymous masks in it with your... C'est pas vraiment que j'ai... je sais pas si j'ai bien compris là. C'est pas vraiment que ça m'embête que vous mettiez des masques Anonymous pour faire des vidéos. Usernames with a bunch of hackers that have H-index tracking software. Mais avec tous les hackers qui ont des H-index tracking, des software de traquage, de track, H-index. Would you guys all agree that are in the live chat right now? I mean, I think we're all adults. I mean, would you all agree that like it might not be such a good idea for kids to be posting videos online with anonymous masks on when anonymous hackers have like H-index tracking software? Do you think that might not be a good idea? You know, and you know, kids think it's fun. Les enfants pensent que c'est amusant. C'est un jeu qui joue. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'ils sont traqués par le biais des médias sociaux, par le biais, comme le jeu 23, le projet Zorgo. Je ne vais pas être trop confus. Mais bon, j'ai failli devenir un père. Il recherche son père, de son fils aussi. Il recherche tout le monde. Il est traqué. Mais donc, il répète ce qu'il a dit. Donc, moi, si j'avais un enfant, ça me concernerait vraiment. Mais bon, dans la tête, il l'est, il explique ça. Donc, j'espère que vous entendez ça aussi et que ça vous allume. Alors, en sémiantif. En Twitter, l'influence de la technologie des trackers, ils nous le mettent ça à l'écran. Donc Twitter a des services de microbots qui leur servent à traquer. Je vais augmenter la définition. Bon, j'espère que ça vous amuse. Enfin, que ça vous amuse. Que vous vous rendez compte. Ça, c'est le troisième millénaire. Et l'US Navy met en place des troupes de commando de marine de l'espace. Yes. Les TR-3B, en fait, c'est la cabale qui s'en sert. Les marines, ils servent d'autres choses, a priori. Bon, on reprend. C'est quelque chose qui varie. Donc, ils ont créé ces trackers d'influence. Ah oui, trackers d'influence. Et comme ça, c'est comme ça, ce qui leur permet de remonter à ceux qui ont de l'influence et du trafic sur leur chaîne. Donc cette technologie n'est plus en ligne. Elle n'a plus l'accès public. Ce service n'est plus en ligne. Se servent du link data, des data associés. Ils cherchent vos comptes d'utilisateurs. Je vais vous montrer comment on peut confirmer qu'ils se servent la même technologie que pour le jeu 23. Ils servaient à traquer des vidéos sur YouTube de façon à remonter aux comptes, je crois. Donc, ils vont découvrir des influenceurs traquables. In its related literature, the term influence has several meanings and it is differently considered most of the time. So what the software and ce que fait le software, il définit des youtubeurs. Anonymous se sert de ces influenceurs pour... Right. Hop.
On en est à 26,05. Ouais. Ah, c'est moins. Ah oui, d'accord, c'est moins. To find, you know, the YouTubers. So originally what Anonymous did is they used this influencer software to find the YouTubers that are all over the place now making tons of money. Bon, donc c'est Anonymous qui recherche des YouTubers qui font beaucoup d'argent. Je pense que ça va être pour les hacker. Je ne sais rien, mais bon. Right. You good? Ce serait bizarre. Parce qu'ils font beaucoup d'argent avec une attitude sur YouTube qui appartient à cette... état d'esprit de l'ancien monde, débile, frivole, gaspilleur, polluant et tout. Bon, ça s'étudie. Mais après, on peut se demander qui c'est qu'ils vont considérer comme étant influenceur et puis avec quel genre d'influence aussi. Et moi, là, ça me concerne aussi, je dirais. Vous comprenez ce qu'ils ont fait avec cette influence software sur YouTube maintenant? They used it to find the influencers and then boosted them and made them super rich. Donc, ils se servaient de ça pour trouver des influenceurs. Ils les boostaient, ils les rendaient super riches. Mais bon, maintenant, ils se retournent contre eux. That is what I'm going to get to in the age index. Alors, le bien des enfants, a priori. We're going to get into is we're just going to get into some. Bon, envoyer les enfants à la traque de ces influenceurs. I'm going to talk about link data. I'm going to talk about index. Il parle de link data et d'index. Ce qui relie les link data avec les URL, l'index H, l'H index. So, in quality metrics, so this is one of the quality metrics. The class contains qualité the metrics de of a Twitter account characterized by as quality metrics. These are the retweet and favorite H index, the last 100 tweets. Ils ciblent des retweets. Retweet and favorite index, the reply ratio et the des H index favoris. Les 100 derniers tweets sont top 100 tweets, quality, influence metric, H index. Okay, so this is where we wanted to start in the scientific paper, and then we're going to go back. So then in the game 23. Bon, c'est de là qu'on va partir du papier scientifique, puis on y reviendra. Alors, avec ces faux jeux de guerre sur Internet. Let's do this for the lols and for trolls. But when you search in it, avec ces you see this mots d'ordre, recherchant les trolls. In order to sort out players in the game 23 by karma, aka H index. Ils recherchaient par karma. That is, for a certain task, a player can have an H index of say 100 maximum. Index. So you see how in their game they're using a 100 H index maximum, just like the scientific paper is matching 100 tweets. Donc de la même manière, ils ciblent les 100 derniers maximum, comme tout à l'heure sur les tweets. Would agree that this player is the effing best person to leader a particular task. Pour une certaine tâche. Un joueur peut avoir l'H index, je crois, disons des 100 derniers. Ce score parfait voudrait dire que tous les joueurs en dessous de cette expertise de task seraient d'accord que ce joueur est le putain de meilleure personne pour mener une tâche particulière. Moyen de déterminer un leader, moyen orientable de déterminer un leader, et puis de forcer l'état d'esprit. Bon, moi, ça ne me suffit pas pour dire qu'il est bon pour faire le truc, tu vois, genre. Mais bon, ensuite. So you see, they're using an H index and assigning tasks. Donc, on se sert de l'index H, H index, et d'une task. Right. Que j'ai traduit par tâche, un truc à faire. Task force, c'est la force d'action rapide. Alors, ce qu'on va faire, c'est regarder la vidéo du projet Zorgo. Et vous allez voir qu'ils vous assignent des tâches. Nous sommes le projet Zorgo. Bon, il répète le début. On veut que vous nous rejoigniez.
Phase 1, phase 2. Alors, on a besoin de votre aide pour défaire des youtubeurs, certains des youtubeurs les plus populaires, qui sont devenus une menace pour notre organisation. Ces channels, de part et d'autre, là, sont les premiers à être parmi nos cibles. Si vous voulez rejoindre le projet Zorgo, la première chose que vous devez faire, c'est relier ce message suivant sous plein de vidéos. Projet Zorgo is watching. Vous devez reproduire ce message. Si vous laissez ça sous YouTube, sous plein de vidéos, nous allons voir ça, faire prendre note de votre nom d'usage, d'user. Et vous serez avancé au second degré du joueur. Sauf que le joueur en question, là, il va fréquenter les sites qu'il fréquente d'habitude, je suppose. Hein, il ne va pas quand même aller voir des trucs qui ne l'intéressent pas. Et il va mettre ça sous les trucs qui l'intéressent. Donc, il est en train de s'auto-miner en plus. C'est bon. Is that they're actually telling you in the video that if you make a video, they're going to note your username. Donc là, ils vont servir, ils vont noter votre nom d'utilisateur. And you're going to advance to the next round. So ça vous fera avancer au rang suivant, au niveau suivant. Now, they're playing the game with hackers. I don't disagree with that. You know, hackers find all these secret documents on. Bon, je ne sais pas que j'ai quelque chose contre les hackers, dit-il. Ils trouvent plein de documents secrets. Sur Internet. They're trying to get kids involved in hacking YouTube. Par contre, quand ils... Enfin, par contre, c'est moi qui rajoute. Là, ils impliquent les enfants à hacker YouTube. Clear about it. They're trying to get kids involved in tracking YouTube and to become players. À traquer YouTube. Game and doing Project Zorgo. Et à rejoindre le projet Zorgo. Just like Project Mayhem, only for five. Comme le projet Mayhem. M-A-Y-E-M. Mayhem. Projet... Comment on va appeler ça? La Mayhem, c'est tout. Le tohu-bohu. Tout ça, well, what it is an panique. Agent extractor which uses linked data, which linked data for any of you that know anything about it is a W3C standard for how machines connect data. Donc, linked data, c'est un standard WC3. Internet, it's like what smart people do. C'est ce que qu'utilisent les gens intelligents sur Internet. C'est un mélange d'H index. W3C. Bon, il en parlera un autre jour, il est fatigué. It's a combination of age index linked data, and what it does is it takes that YouTube account, it can link it to any other data it has in its data set, which means... Donc, ça peut relier son compte à n'importe quelle autre donnée qu'il a. Donc, on signale ça aux parents potentiels, que ça peut toucher vos comptes bancaires, toutes les données que vous avez mises sur Internet. Alors, vous avez votre enfant qui fait une vidéo pour le projet Zorgo. Vous pouvez vous imaginer ce à quoi vous exposez toutes vos données personnelles. Pour ces hackers, qui en plus maintenant vont accéder à la reconnaissance faciale, alors même s'ils ont le masque, ils vont passer par Facebook, API, EPI, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin bon, toutes les têtes sont repérées. Alors, parce qu'il y a tant de ces parents d'enfants qui utilisent leur vrai nom pour avoir un compte. LinkedIn accounts with the same name. Et plein de comptes avec le même nom. You know, then from there they go to your Facebook, they go to your Twitter. Vous allez de Facebook à Twitter. En une minute. Because your kid made a Project Zorgo video. Alors, si votre enfant fait ce projet Zorgo, he's like, I'm enjoying Project Zorgo. We're gonna take out the. Il va vous gonfler, il va être plus content. Et voilà, vous allez vous faire hacker. Because you guys remember our kid.net. You know, I showed people log files where they. Ça vient du site nosenfants.net. Ourkids.net. Christian kid websites. So this is kind of what c'est un site pour les enfants.
Yes, so even a YouTube comment can be tracked if the kid comments on it. Donc même des commentaires sur YouTube peuvent être traqués. So if a kid makes a YouTube video and another kid comments on it, those kids also be getting tracked. Vous allez vous faire traquer. Yeah, it's part of like advanced W3C standards combined with. Donc c'est un petit peu comme le standard W3C standard, oui. Ontologies and smart people science. What do we do? Well, that's very easy. Standard de Scientologie. A YouTube video and another kid comments on it, those kids also begin getting tracked. Yeah, it's part of like advanced W3C standards combined with ontologies and smart people science. Je sais pas si ou ontologie. See, that is very easy. It's what we do is we as adults, we make as many videos as we can warning people about this with the title Project Zorro on the video. Donc, il met en parallèle. So, that's what I suggest. Jette une alerte. You make a video showing the joint project Zorro video, you give your opinion, and you get kids complaining. You alert parents that these are real hackers playing a very serious game with real science. Not an internet game. Là, c'est pas un jeu, il y a des vrais hackers qui jouent un vrai jeu, qui ont une vraie activité, qui ont une vraie science. Where you work, where you live, they could get your IP address. Ils vont avoir tout, votre adresse IP, vos heures de lever, de coucher, vos déplacements, vos contacts, vos... Avec votre nom et quelques trackers, et surtout s'ils ont une adresse email. Because once you get a LinkedIn account, then you get work history, then you can start calling jobs and pretending to be like reference checks. Et après ils vont appeler des boulots en faisant passer pour vous. Ils vont embaucher vos chèques. Ils vont trouver vos numéros sociaux. Tout ça parce que votre fils a fait une vidéo idiote pour le projet Zorro sur YouTube. Heureusement qu'il se répète un peu. Alors, je ne sais pas si ça vous suffit là, ou vous irez voir la suite de la vidéo, je vous mettrai l'adresse. J'espère qu'il va la laisser en ligne assez longtemps. Je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt. Il est pas mal, Tyler. Des fois, il est dur à suivre. Et vous le voyez. Vous l'entendez. Non, mais il a mauvaise santé aussi. Et sous traitement. Et enfin, bon. Merci, Queen. Merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous intéresse aussi. À bientôt. Salut. Merci Tyler. Merci. Merci Queen.